Partir, le thème des rendez-vous de l'histoire cette année est intimement lié à l'actualité. Ce matin, les prises de parole se succèdent. Les discours entre histoire et littérature se penchent sur la sémantique du verbe. La salle, elle, est comble. C'est dire l'intérêt que suscite toujours l'histoire. L'histoire, c'est un mouvement, c'est une circulation, ce sont des passions. Partir évoque le pire de l'humanité, les arrachements des collectivités, les malheurs sur les routes, les religions qui oppriment et les croisades. Mais en même temps, c'est aussi le rêve, c'est aussi l'émotion, c'est aussi l'idée que ailleurs c'est très beau. Et éprouver cette émotion, c'est rencontrer en soi-même le ressort d'un mieux, le ressort d'une création, le ressort d'une expérience. Partir, c'est peut-être le pire de l'homme et le meilleur. Le meilleur, les orateurs en ont parlé ce matin, parfois même avec une touche d'humour. Mais jamais un discours n'a oublié de faire référence à la crise des migrants que la France traverse, elle aussi, actuellement. Partir renvoie à des moments terribles, quand on part sous les bombes, quand on part faire la guerre, quand on part défendre la liberté. Et le mot partir nous renvoie à nos responsabilités d'hommes, de femmes et de citoyens, celles de l'accueil, parce que celui qui part parce qu'il est menacé, celui qui part pour une vie meilleure doit rencontrer l'humanité. Donc ce thème, il est à la fois très fort parce qu'il rencontre de l'intime et de l'histoire, il est très fort parce qu'il résonne avec l'actualité. Jusqu'au 9 octobre, historiens, scientifiques, littéraires et passionnés d'histoire, tout simplement, rythmeront conférences et débats à Blois.